donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour les Joseph. Dans notre leçon d'aujourd'hui en sciences physiques, nous allons parler des liquides, plus précisément sur les propriétés. En fait, quand on dit liquide, on fait allusion à quoi? On fait premièrement allusion à l'eau. Et nous voyons dans ces petits bassins, l'eau, c'est un liquide. Pourquoi l'eau coule? Alors, à part l'eau, il y a aussi d'autres sortes de liquides que nous avons. Vous remarquerez que les liquides n'ont pas une forme propre. Les liquides prennent la forme des récipients ou des vases qui les contiennent. Prenons l'exemple, comme ici, je vois, j'ai cette bouteille ici. Le concepteur qui lui a donné cette contenance, là, on sait comme ça. Et à l'intérieur, l'eau que nous voulons avoir à l'intérieur aura la forme de la bouteille. Mais toutes les bouteilles n'ont pas la même forme. C'est pourquoi nous disons que l'eau prend la forme des récipients ou des vases qui les contiennent. Vous verrez comme ici. Celle-ci a sa contenance. C'est comme ça que vous remarquerez, surtout dans le jus, dans les bouteilles, tout ça, vous remarquerez déjà que le fabricant met déjà la quantité d'eau qu'on peut placer, ou bien du jus qu'on peut placer, ou bien des liquides qu'on peut placer en général. Même si nous prenons l'eau que nous avons mise ici, vous remarquerez que cette eau a pris la forme de ces petits seaux qui le contiennent. C'est-à-dire quoi que nous disons, le volume. L'eau a un volume déterminé. Le volume, c'est quoi? Le volume, c'est l'espace qu'occupe les solides. Quand nous parlons de volume, en forme géométrique, nous avons des corps qui sont des solides. Nous avons, on peut avoir la forme de cube, cylindre, ainsi de suite. Comme ici, nous avons la forme de cylindre. Ici, nous dirons aussi que pour ce qui concerne le liquide, il y a certains liquides qui sont incolores. Les liquides qui sont incolores, nous avons d'abord de l'eau, et l'eau que nous prenons. Il y a des liquides qui sont volatiles. Je prends l'exemple de l'alcool. Quand nous prenons l'alcool, vous verrez que c'est un liquide qui est à l'intérieur. D'ailleurs, vous savez, c'est ce que nous utilisons pour les gestes barrières. Ce liquide, quand je mets ça, vous verrez que ça peut s'évaporer vite. Donc là, nous dirons que c'est volatile. Il y a des liquides qui sont inflammables. Quand vous partez dans des stations essence, avec papa, vous verrez, on a mis une croix, on dit produit inflammable, c'est-à-dire le produit qui peut vite prendre du feu. C'est pourquoi on demande toujours d'arrêter les moteurs ainsi de suite quand vous êtes à la station. Donc, inflammable, c'est-à-dire ça peut prendre rapidement le feu. Nous avons aussi des produits, des liquides qui sont toxiques. Dans les batteries de vos voitures, vous verrez qu'on met un liquide à l'intérieur. On appelle ça acide. C'est toxique, ça, il ne faut pas mettre dans la bouche puisque ça peut vous amener à la mort. Chers amis, nous sommes à la fin de notre leçon, sans pour autant oublier que nous aurons un devoir à faire. Première question, pourquoi dit-on que les liquides n'ont pas une forme propre? Deux, les liquides le plus informant que ça fait, ici, cette question, on l'a posée même au test de fin d'année primaire, je ne sais pas quelle année, mais le liquide le plus inflammable s'appelle. Troisième, je donne l'exemple d'un liquide incolore, volatile, inflammable et toxique. Nous voici à la fin de notre leçon.